Intégration de la technologie Orage Fantôme. Les recherches sur la technologie Orage Fantôme sont terminées, pionnier. C'est... Excellent. Ça veut dire qu'on est prêt à lancer l'opération sur Méridian. Sérieux? Je vais organiser une réunion immédiatement. J'avais juste appuyé sur un bouton, pas de truc à collecter, rien. Ok, bon, bah écoute, c'est simple. Les canaux de la conférence sont prêts, pionnier. Oui, on sait, Sam. Et toi? Salut à tous, c'est Narm de retour dans Mass Effect Andromeda pour, a priori peut-être, la dernière quête, réunion de l'équipe. On va réunir tout le monde. Les dirigeants du Nexus estiment que chercher Méridian est une perte de temps, mais on sait qu'ils se trompent. Et on va leur prouver. Activer les caveaux, ça ne suffira pas sans le cœur du système. Histoire d'être sûr, vous désobéissez à un ordre direct. Oh, commence pas, Cora. Cora. Mon travail, c'est de nous amener chez nous, et c'est ce que je fais, avec ou sans leur permission. Bien dit. Ouais, je savais que Drake allait me soutenir. C'est là que la technologie Orage Fantôme entre en jeu. Ouais, que je viens d'installer. Pareil, Ka. Absolument. Nos faux signaux devraient attirer quelques cartes loin de vous. Parfait, pas nickel. Tous, bien sûr, mais ça suffira. Ouais, alors les autres, on les pète. La tempête est petite et rapide. Un créneau réduit fera l'affaire. On vous déposera et on repartira sans que les cartes nous remarquent. Une fois sur Méridian, ouais, on envoie une petite équipe très mobile pour découvrir ses secrets. Juste derrière les lignes ennemies. Une occasion en or d'estimer leur nombre, d'évaluer leur défense. Et leur péter le cul, évidemment. Et quand vous serez prêts, on reviendra vous récupérer comme à l'aller. Ok. Si on revient avec des infos intéressantes sur Méridian, le Nexus sera forcé de nous écouter. Dit comme ça, ça fait très facile, mais... Ça m'a tout l'air d'un bon plan. Raika, vous êtes prête? Prête à partir à votre signal, pionnier. Eh ben c'est parti, mon kiki! Allez tout le monde, c'est le moment. On passe à l'action. Ouais... Tous motivés, pas trop de joie en même temps les mecs, hein, pas trop d'excitation. Faudrait pas que je sois dépassé par la puissance de vos émotions. Quelqu'un a vu une batterie à prise hexagonale? Allez sur Kishchichiratatsira dans le système Vitsutsuki. Ok. Par contre j'aimerais bien voir... Non, j'ai pas envie de te parler. Wow, j'ai flotté. Je veux voir Vetra par contre, avant de partir. Ça va pas? Je me mets quelques personnes influentes dans la poche et ma sœur gâche tout en utilisant mon nom pour gratter des faveurs. Vous saviez qu'elle a fait sortir de la réserve le génome de... C'était quoi déjà? Des chats? Mais c'est mignon les chats! D'une, on n'a rien pour les accueillir pour l'instant. Et de deux, apparemment, on ne peut même pas les manger. Mais c'est bien les chats! Beaucoup de gens aiment les chats. Ça ronronne, ça apaise. On ne peut pas se permettre de faire passer nos loisirs avant nos besoins. Elle ne réfléchit pas une minute. Oh. Elle peut aider tout le monde et tant pis pour les conséquences. Elle est complètement emballée par ce qu'on fait, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'il en coûte. Y a de quoi être emballée, voyons. C'est plutôt normal qu'elle soit emballée, non? On offre aux gens une vie meilleure. À vous entendre, ça a l'air merveilleux. Bah oui. Mais on voit des trucs vraiment merdiques. Ah ça oui, nous mais c'est pas sûr. Pour autant, parce que ce qu'on fait, c'est important. On est là pour amener oui, l'espoir, Vetra. Même dans les pires journées, savoir qu'on peut changer les choses. Changer les choses, c'est tout ce que Sid cherche à faire, je pense. Et si elle s'attire encore des ennuis? Et s'il lui arrive du mal? Je suis là pour vous deux. Avec le cœur, ça fait un peu... Je peux vous prendre toutes les deux en même temps, si vous voulez. Je serai là pour vous deux, quoi qu'il arrive. Sid compte pour vous, donc elle compte pour moi aussi. Ryder, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Approche-toi de mon corps. Pas la peine de dire quoi que ce soit. Je ferais mieux de vous laisser travailler. Quelle subtilité, ce Ryder. J'ai l'impression que la chance commence enfin à nous sourire. Le retour des Galariens. C'est un événement crucial. Je regrette seulement qu'on ait dû sacrifier autant de gens. Parlez-moi de Sid. Vous n'étiez pas sur l'Arche, pourquoi ils mettent ça? Pourquoi vous n'étiez pas sur l'Arche Turienne? On a quitté la veine avec notre père bien avant que l'Arche voie le jour. Je ne sais pas si on fait vraiment partie de la société turienne, à vrai dire. Mais on se fout pas mal des règles après tout, non? Exactement, je suis d'accord. Je ne vous retiens pas plus, ok. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Bon, bah visiblement... Vous savez où me trouver. Je peux pas concrétiser. Je vais essayer... je vais vous couper le truc, mais je vais essayer d'aller sur une autre planète, voir si en atterrissant et puis en revenant dans le vaisseau, ça fait apparaître d'autres dialogues, puisque j'ai l'impression que quand on... Enfin, ça sort pas d'affilée tous les trucs qu'on n'aurait pas vus. Tu te rends bien compte que même si je mets la main dessus... Ça va te coûter cher. Ah, si. Et tu sais que je tiens toujours parole, alors contente-toi de le faire. Eh bien, une autre ligne de dialogue. On m'a dit que les cartes se font moins nombreux. L'Archonte doit toujours être en train de récupérer. Et ça veut dire qu'on peut le vaincre.
tout comme les cartes. Les gens commencent à s'en rendre compte. Vous n'aviez pas l'air de parler des cartes quand je suis arrivé, cela dit. Non, en effet. J'ai un ami qui me cherche une lampe. Elle vient chez moi, mais on me l'a volée pendant la révolte. Ah bon? Vous êtes bien sentimental. Vous étiez aussi sentimental. Il n'y a pas que moi. Ah bah oui, moi je suis très sentimental. Le matériel de son père, Cora son livre de prière à Sari, Eliam, tout le bordel qui l'amasse. Tout le bordel qui l'amasse. Toutes ces choses ont de l'importance. Elles nous rappellent d'où on vient. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Je veux pas oublier ce que j'ai laissé là-bas. C'est ça. Ouais, mais moi c'est gravé dans ma mémoire. Pas besoin d'avoir des petits objets. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lampe? Elle est affreuse. Le pied représente une Asari fesse à l'air qui tient... C'est quoi ce truc? L'une de vos plus précieuses possessions est une lampe très moche? Elle appartenait au contremaître de mon premier. Et très sexuelle, en plus. Je me concentrais dessus pour rester calme quand il s'en prenait à moi. Ah. Je la garde avec moi pour ne pas oublier d'où je viens. J'ai passé presque toute ma vie à survivre. Me faire emmerder par des enfoirés ou être l'un d'entre eux. C'est derrière moi, tout ça. Je peux commencer une nouvelle vie plus honnête. J'aime bien, vraiment, le passif de Vetra. Honnête, c'est ça. Et gâcher vos talents. Vous voulez vraiment recommencer à zéro? Après tout ce que vous avez traversé? Ce serait dommage, quand même. Je ne sais pas. Mais au moins, j'ai la possibilité de changer, si je le désire. Je me moquais un peu de retrouver cette lampe au début. Tout partait en vrille et ça n'avait plus d'importance. Mais la situation a changé, Ryder. Ces petites choses comptent à nouveau. Les gens osent enfin rêver. Moi, je rêve d'avoir quelqu'un là. Mon rêve serait de pouvoir explorer la galaxie aux côtés d'une personne qui m'est chère. Oh, et vous avez trouvé cette personne? Elle rougit. Je dirais bien que oui. Elle rougit. Vous allez l'adorer. Elle est grande, très persuasive et douée avec les flingues. Oh, mais quel séducteur ce Ryder. Enfin, son arme, je veux dire. Quoi, c'est tout? Mais non, mais... Non, on peut pas... Y'a rien d'autre? Oui, vas-y, parle. Salut, Ryder. Non, y'a rien de spécial. Vous avez sûrement du... Ouais. Vous savez où me trouver? Ouais, je sais où te trouver. Est-ce qu'il faut encore que je me TP pour pouvoir lui reparler? Venez au laboratoire technique, si vous avez besoin de moi. Bah, j'ai pas besoin de toi, ça tombe bien. Vas-y, ferme-toi la porte. Ferme-toi, ça se trouve, si la porte se ferme et que je retourne, j'ai peut-être pas besoin de me déplacer, si merde. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Ah ah! Vetra viré sur Kadara. Ah ah! Putain, la vache, c'est quand même chiant le système de devoir partir se poser pour revenir. Je sais pas si ça vous intéressait, mais je voulais vraiment finir mon let's play, compléter mon let's play avec ma romance avec Vetra. Ryder, ne vous inquiétez pas, Sid n'a rien fait d'inconsidéré cette fois-ci que je sache. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Kadara, ça vous dit qu'on s'y retrouve? Je vous envoie les coordonnées en pièce jointe. Oh, oh oui, invitation, on s'en fout de l'autre. De Cora. Où es-tu? Où te caches-tu? Vous aviez raison, la vue est magnifique d'ici. On n'est même pas encore au sommet. Allez, on fait la course. On n'est même pas en train d'escalader une montagne. Et sans micro-propulseur. On fait ça à l'ancienne. Ouais. Oh. Je gagne quoi si je vous barre? Facile. Vous voulez quoi? Un truc qui brille, j'ai le droit de choisir. Une récompense et l'amour. Le méchant terrassé, une épée magique et la fille. Heureusement que vous allez perdre alors, je n'ai pas d'épée magique. Ah, elle est pas contre me donner la fille du coup. Dis donc, coquinette, voyons. Tu peux toujours me filer ton gros gun, ça représente l'épée magique. Qu'est-ce que je fais? Non, ouais, je vais tricher. Tic. Je t'ai battu. Nya. Aïe. Oh. Je me suis pas brisé le dos comme ça. Ça va? Ouais, ça va. Vous avez l'air de vous amuser. Faut être un peu fou dans la vie, tu sais. Et moi, je suis toujours tout foufou. Bonne technique d'approche. Hey, je ne rêve pas. Ici, non, hein. Non, c'est bien le ciel. Non. Je parle de votre attitude à mon égard. C'est comme si j'étais plus qu'une amie. Mais oui, Vetra. Vous pouvez dire non.
Je veux juste être sûre avant que ça devienne compliqué. Le mec, il a fait toutes les situations romantiques possibles et imaginables pour pouvoir arriver jusque-là. Vous êtes sûr que c'est là? Et le mec, il fait le gros bâtard à la fin. Ouais, ce n'était pas sérieux. Je ne faisais que flirter. Remarque, c'est une technique aussi. Hein. Je tiens beaucoup à vous. Plus qu'à une amie. C'est vrai? Je croyais me faire des idées. Vous, moi, ça semble si improbable. Le voici! Ah! Affaire bizarre, il n'y a pas de lèvres. C'est une preuve suffisante? Ça me convient. Ah, c'est beau! J'ai réussi à conclure! Yeah! Ma mission dans la galaxie d'Andromède est finie! Oula, il y a un méchant en bas. Oh, c'est un colosse. Oh, c'est rien. Allez aux sources, c'est bon, c'est tout? Il n'y avait que ça? Pas de scène de nu ni rien? Oh là là, on est tous déçus! Quelle déception! Merde! Bon bah... Allons chasser la rencontre du coup j'imagine. Il voulait vous voir. M'en fous, Jal. Je cours vers Vetra. Vetra, elle est là? Attends. Bah, t'es pas en bas? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, pionnier? Ah bah, oh, ok, rien. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Vous savez où me trouver? Ok. Je vais quand même aller voir dans ta chambre. Venez au lab. Oh, tais-toi, Jal. Ah, ah, pitié. Non, elle est vraiment pas là. Ok, bon, allez. Trêve de conneries maintenant qu'on a conclu avec Vetra. Ouh, je suis content quand même. Vetra, la seule qui soit bien dans cet univers. On va continuer la chasse à l'archonte du coup. Et l'attaquer de face, de front, avec toutes les armes que l'on a. Mais sans le soutien de l'initiative, parce que fuck it. Hein, on envoie le mec au devant du danger tout ça, mais on le croit absolument pas quand il s'agit de... Ah, enfin bref, c'est pas grave. Passons. En orbite autour de Kadara. Oui, je sais. Ça y est, c'est Méridienne. Méridienne n'est pas une planète. Tashira, comme disent les cartes. On dirait une station spatiale géante. Ouais, donc c'est bien ce que j'ai dit dès le départ, c'est une station spatiale. Pourquoi il parlait de planète à un moment donné? Analyse, une énorme station spatiale reliquate, nanana... Une forte présence Kert a été détectée dans la zone et les scans indiquent de nombreux vaisseaux de guerre Kert. On les voit d'ailleurs s'afficher. Alors attends. Le fléau s'est attaqué au reliquat. Ok. Bon bah go alors. Allez, c'est parti. Atterrissage. Et pas en douceur. Est-ce que ma petite Vetra... Ouais, Drak est là. Ouais, c'est parti. On va les massacrer. Coucou les gars, c'est nous! Lancement d'orage fantôme à mon signal. 3, 2, go! C'est pas avant qu'il fallait faire? Signature ennemie détectée, prenez-les en chasse. Heureusement qu'ils ont pas de fenêtre, les mecs, hein, ou de hublot. Mais quoi que si, puisqu'on était rentré dedans une fois. Je détecte un paquet de Kert en approche. On se replie, à vous de jouer, tempête. Ouais. Il y avait qu'un seul vaisseau là. Le plus possible de là. Vu l'énergie qu'on détecte, ça pourrait être un centre de contrôle. Pas de site d'atterrissage en vue. Ça complique les choses. Qu'est-ce qu'on fait? On saute du vaisseau? On y va à l'arrache? Ryder, je crois qu'on va devoir se contenter d'un survol. Je vais descendre le plus bas possible, mais vous devrez vous éjecter sur la zone cible. Ouais, t'inquiète. Je suis un expert de la chute libre, ouais. Je suis tombé dans le vide si souvent que je suis devenu un pro. D'ailleurs, dès le départ... On va parler de chute libre sur l'habitat 7. Paraît que Liam vous a entendu crier tout du long. C'est pas faux. Évitez cette fois. C'est un peu gênant quand même. Ah bon? Bah tu devrais le faire à ma place. On verrait si tu crierais pas. Bon, je vous apprends rien. C'est bien de faire le malin vitesse. Quand on est caché dans son antre. Ouais, c'est ça. Ouais. Casse-toi, petit con. J'ai bien fait de pas te parler pour de tout mon let's play. Les cartes ne nous ont pas détectés. Mais dès qu'on descendra, on sera à la vue de toutes les troupes au sol. Les boucliers tiendront bon. Je vais mettre... Soyez prudents, c'est tout. Vous en faites pas pour nous. Contentez-vous de rester hors de danger avec le tempête. Ouais, évitez de faire les cons avec mon vaisseau. J'en ai encore besoin après. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'en ai encore besoin, ça c'est sûr. C'est dommage que ça n'ait pas été un truc genre à la Star Trek. C'était dans le 2 ou dans le 3. Non, dans le 2, c'était dans le 2. Dans les plus récents. Où les mecs ils fonçaient avec leur combi là. Tout le monde va bien? Je me fais peut-être vieux, mais j'ai encore la carcasse.
Oui, t'as encore un paquet de scans. Oh, oh. Hein, il va falloir ouvrir un truc. Comment marche ce truc. Ils sont prêts à tout. Ouais, t'inquiète. Moi, je suis un expert maintenant. Cette console m'a permis de détecter la présence d'un réseau complexe relié à un centre de commande. Ah ouais, vraiment ouais. Tu veux dire qu'on a trouvé ce qui contrôle Meridian? Très probablement. Cependant, le centre ne fonctionne pas. Il est désactivé. Va falloir que j'active les consoles. Ouais. Rien de surprenant jusque-là. Ok, là il y en a une. Mouillon. Roulage de tête. Oula. Nous voyons là le centre de commande que j'ai détecté un peu plus tôt. Tout comme les caveaux et les monolithes, ce centre est relié aux deux tours voisines. Oh. Oh non. Va falloir que j'active les tours avec les sudoku d'espace. Donc en activant les tours, on activera aussi le centre de commande. J'imagine qu'il va y avoir et des reliquats. Et si on changeait l'objectif de la mission et qu'on activait Meridian dès maintenant? Il ne faudrait pas oublier les cartes. Il est déjà arrivé qu'un champ de purification s'active en même temps qu'un caveau. Meridian a peut-être un système similaire. Allons vers ces tours et voyons ce qu'on peut trouver. Ok. Pionnier, la connexion à cette console a activé un puits de gravité. Eh ben c'est parti mon kiki alors. Dayo. Les caveaux, ça nous connaît. Regardez un peu ça. Quoique ça fait longtemps qu'on en a pas activé hein. J'ai l'impression que ça fait genre 5 épisodes, non? Pionnier, je capte des interférences radio. Oh. Un signal KERT. Oh. Alerte! Le signal détecté était un leurre. Des intrus se sont introduits à Kinashira. Mais pas à du tout. Unités, concentrez-vous sur la neutralisation et la capture. Mais pas du tout les mecs, c'est pas vrai? Il faudra nous passer son corps. Oh oui, défends mon corps, Vetra. J'aime ça quand elle s'énerve. Datapad. Il y a un datapad ici. Datapad KERT, mais quand même, ça fait bizarre. Rapport du commandant Quinn avancé dans le secteur. Les Rukas adaptent leur défense aux actions entreprises à leur rencontre. Conformément à ses souhaits, les utilisateurs de l'explosif destiné à percer l'une des portes de la station a été soumis aux sanctions disciplinaires. Tous les soldats ont été nouveau informés des conséquences auxquelles ils s'exposent s'ils venaient à endommager Kitasira. Bon, bah oui, on savait qu'il voulait absolument rentrer dedans. On n'apprend rien là. Bonjour messieurs. Il y a du fléau là-haut. De quel côté? Attends. Boum. Allez, vas-y, balance tes tirs. Et tous les mecs. Un peu plus d'énergie. Il y en a d'autres derrière? Non, il n'y en a pas d'autres. On se calme. Wow. T'étais là toi? Wow. Attends. Il y a du reliquat qui nous attaque en même temps. C'est sérieux, les mecs. Attaque les cartes, gars. Attaque. Vas-y, balance. Voilà, parfait. Boum. Douce sur lui. Bon, ça, c'est le centre de commande. On ferait sûrement mieux de commencer par les deux autres tours. Ah oui, d'accord. Ok, là, ça se sépare. On va faire celle-là en première. Allez, c'est parti. Go. Premier tour. First Tower, comme on dit en anglais. Les cartes s'étaient installées confortablement par ici. Ah bah a priori ça fait un moment qu'ils sont là peut-être. Ce qui est étrange d'ailleurs parce que... Comment... Navette ennemie en approche. Parce que l'autre, il l'a découvert en même temps que moi, donc normalement il devrait pas être installé confortablement les gars. Est-ce que je dois scanner ça? Végétation étrange. Le secteur de la station est envahi par une étrange végétation, impossible de déterminer comment celle-ci a pu se développer dans un tel environnement. Ok. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Secteur 17, recherche. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu dans d'autres caveaux. Complètement envahi par la végétation. Ça, il y avait de la végétation qui apparaissait. Oh là. Attends. Wow, Colossum. Wow. Vous approchez pas de cette substance. Ouais, j'ai senti. Hey, tous sur le colosse, les mecs! Aïe! Bobo! Ah, bobo! Et en plus, quand je suis dedans, je sors pas facilement. Wow! Voilà, parfait. Ah, tu peux plus m'atteindre! Non, tu peux plus m'atteindre. Tu peux juste me cracher dessus, mec. La. Tu peux plus m'avoir. Y'en a un autre là? Ah, oui, tiens! Regarde, copain! Boum!
Raté. Faut être un peu plus rapide, mon petit gars. Oh oui, t'es pas content, je sais. Non. Ah, attends. Un autre copain, parfait. Il est où son point faible à lui? Non! Aïe, 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 aïe. Non, non, mais je veux pas recharger. Reprends ton arme. Ah! Ils sont où mes potes là? Pourquoi vous attaquez plus les gars? Mais descendez! Mais qu'est-ce qu'ils foutent en haut, ces cons? Je suis tout seul dans l'arène! Pitié! Attendez! Ah. Vetra, tu m'abandonnes? J'espère que t'as eu mal, connard! Ça? Continue comme ça! C'est tellement récent notre relation. Tu peux pas m'abandonner comme ça? Attendez. Dépouillé. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Croyez pas qu'on est déjà passé par là. Non, hey, non, non. On dirait une console reliquate qu'on pourrait utiliser. Attends, où ça? Où ça? Ah, j'ai pas le temps de voir. Ça? Ah, ok, d'accord. Ça fait quoi si je fais ça? Oh! D'accord, j'ai créé des machins pour m'aider. Ouais, compétences améliorées, on s'en fout. On en a pas besoin. Fonçons, fonçons. Après tout, on n'a pas besoin de tous les battre, hein, au final. Donc, je pense qu'on va avancer. Wow, j'ai failli faire une connerie. On vaut mieux que ça. Oui, on vaut mieux que ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, mon ami. Je ne serais pas dû à un processeur d'atmosphère en panne. Arrêtez de râler. Un peu d'eau, ça va. De quoi? Quel déluge? Qu'est-ce qu'il raconte? Allumez-les. Allez, vas-y, go, 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 on fonce, on s'en fout des cartes. On s'en fout, on les passe. Si on s'arrête toutes les deux minutes pour les cartes, on n'a pas fini. Oh là là, oh là là, oh là là. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Attention. Ouais. Je crois que tant qu'on n'a pas l'obligation de... Ouais. Tant qu'on n'a pas l'obligation de les tuer, je pense que je vais les passer, parce que sinon... On en a pour 3 heures, ils ont mis 36 ennemis. Ok, donc là, on est obligé, a priori, accéder à la tour. Attends, t'es où? Boum! Vas-y, je t'en prie, tire-moi dessus. Voilà, boum. Il est où l'autre? T'en avais pas un autre à côté? Non. Oh, mastodonte, merde! Wow, attends, toi, tu vas aller sur le mastodonte. Voilà, boum. Oh putain, c'est pas bon ça par contre. Et vas-y, tire mon gros. Encore. Tire, fais un effort. Voilà. Toi, t'as le mastodonte. Je crois que le mastodonte, faut qu'on s'en occupe après, parce que de toute façon, il va se régénérer. Merde, il est où? Il est là. Il y a un truc qui m'attaque? Non, c'est bon. Prédateur, va sur le mastodonte. Non, mastodonte, bon, c'est pas grave. Ça a pas du tout marché. Allez, mec, crève. Oh là 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 là. C'est horrible ce sac à PV. Il va se régénérer encore. Allez. Déjà que c'est un sac à PV, en plus, il lui met une régène de malade. Aïe. Oh bobo. Boum. Eh bé. Comme je disais, heureusement que je m'arrête pas pour tous les battre, hein. Sinon, ce serait long. Ok. Activation. Let's go. J'imagine qu'on va avoir des boss aussi, reliquats. Boing. Ils ont réussi à rentrer les cartes, par contre, je suis étonné qu'ils aient pas réussi à activer encore. Ouais, j'ai pas envie de savoir. C'est sombre là-dedans. Trop sombre. Ouais. Bis. Activation. Non. Oui, peut-être. Ouh, on dirait des capsules. Sur les murs. C'est quoi ce bordel? Traduction. Modèle 1-3. Viabilité 56,2%. Modèle génétique transmis à des fins de test. Ok. Ça veut dire qu'ils menaient des expériences sur eux? Les reliquats ou les cartes? Je lance une analyse sur les glyphes. Ces corps sont des prototypes basés sur des plans génétiques. Ils sont de plus en plus perfectionnés. What? Grâce à Meridian, ils ont conçu une espèce qui pourrait vivre dans ce secteur. Les Angaras sont des... sont été créés par les reliquats? À aucun moment, les archives Angara ne mentionnent leur origine.
C'est pour ça qu'ils ont l'air d'être sortis de nulle part et que l'autre, l'IA, disait qu'elle n'était pas Angara. Les gants Angara restent les mêmes, ça ne va pas leur plaire, c'est clair. Ça pourrait bouleverser les croyances de tout un peuple. Après avoir Moshae saura comment gérer ses révélations. Découvert que les Kert les transformaient. Donc, en plus de la terraformation, Meridian est capable de créer la vie. Mais pourquoi faire quelque chose comme ça? Je ne peux rien vous dire du but ultime des créateurs des reliquats. La vie. Et si l'Archonte pouvait utiliser Meridian pour le... Il voulait se prendre pour Dieu, peut-être, les reliquats? Je sais pas. Et si l'Archonte pouvait utiliser pour le détruire? Ça ne doit pas être une arme. Regardez ça. Les créateurs avaient de grands projets pour Meridian. Faire avancer la science, pas s'en servir comme une arme. Mais le système a néanmoins un potentiel destructeur. Oui. On ferait bien de trouver ces commandes. Parce que tu peux créer des soldats, du coup, tu peux créer ce que tu veux, en fait. Des serviteurs, des soldats... Si on prend les commandes de Meridian en premier, l'Archonte ne pourra pas y toucher. Ils ont juste... Peut-être que les reliquats ont juste voulu coloniser la galaxie qui était au départ complètement invivable. Il faut prendre des Adjals pour les Angara, ce qu'on a découvert. Ouais, on lui dira. On va lui dire et on le laissera choisir comment il veut l'annoncer à son peuple. Ouais. L'observateur n'était pas là avant, si. Ils vont déprimer vous encore. Vous avez activé les systèmes reliquats pionniers. Ils reprennent... Un arbre. C'est peut-être dans ce caveau qu'ils concevaient leur création. Les signes vitaux de cet arbre sont indiqués qu'il est en parfaite santé. Après, honnêtement, qu'ils aient été créés naturellement ou pas naturellement, qu'importe. Ce qui compte, c'est qu'ils existent, les mecs. Hein. Au final, ils sont biologiques. Ils sont pas genre... C'est pas le coup de j'ai pas d'âme ou je peux pas. J'avoue que c'est perturbant. Ouais. Je trouve pas. Après, chacun aura son point de vue là-dessus, mais... Moi, personnellement, ça change pas grand-chose, hein, si tu veux. Naturel ou pas naturel, ils existent, ils sont créés, enfin... Coucou, ça va? Au revoir. Ouais, t'inquiète, on va en créer un. Eh, mais du coup, ça veut dire que j'avais raison, le fléau, ça doit être... Ça a dû être une création involontaire, peut-être, des reliquats. Sacrée explosion, non? Les ondes d'énergie qui m'annoncent sur la Terre, c'est... Oioioioi. C'est bon, la toile est avec nous. C'est un cratère d'impact. C'est peut-être une attaque. D'une autre... peut-être qu'il y a une autre menace. Peut-être qu'ils ont créé les Angara pour contrer justement une autre menace que les reliquats devaient affronter. Maybe. Assembleur, viens là mon petit. Et boum! Je vais les éliminer ici parce que j'imagine que j'ai besoin... Ah non, peut-être pas. Ok, cool. Non, ça va, ça passait. J'aurais pu passer. Je ne sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais... Je sais pas non plus. Et ça me saoule quand ça coupe les dialogues. Oh. Je me demande ce que les créateurs des reliquats faisaient ici. Je détecte de faibles niveaux d'énergie pionnier. Créer des Angara. Un quoi? Ah. Pourquoi ça s'arrête à chaque fois? Ah, c'est pénible. Je vois les conduits. Il y a un motif bizarre là. Un motif bizarre. Qu'est-ce qui n'est pas bizarre chez les reliquats, tu me dis? Commande de nœud. Attends. De sécurité. Oh, on va peut-être... Oh, il y a plusieurs consoles. On va certainement devoir résoudre un puzzle ici. Ok. On va y voir. Bon, bah activons. On verra bien. Mince, je crois que c'est grillé. Je doute que ça marche. Console reliquat. Les dégâts subis par certaines parties du système empêchent toute réactivation. On peut pas contourner les parties endommagées. Je peux essayer, pionnier. Amplification des signaux. Ok, alors par contre... Il y a une sorte de glyphe là-dessus. Il y a cela des... correspond au motif de la console principale, pionnier. Ok, attends. De la console principale, celle-ci du coup. Voyons voir. Il faut que je les active tous, attends. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Rien, il faut que je les efface tous d'un coup? Attends. Range le scanner. Attends. On voit qu'il y a des traits entre les mecs. Ah, ok, d'accord. Donc d'abord celle-là. Ok. C'est bon. Repérer. Il y a un trait, un fin trait entre les trucs. Donc d'abord celle-là.
normalement. Excellent. Voilà. Après. De rediriger le courant au-delà des dégâts. Celle-là, normalement. À part s'il m'a pas mis dans l'ordre des trucs. Parfait. Voilà, c'est ça. Maintenant, celle-là. Wing. Et... Refaites ça, peut-être. What? Pourquoi refaites ça? Non, normalement, c'est bon. Enfin, d'après le truc, c'était bon. Oui, c'est bon. La console principale. Qu'est-ce qu'il me raconte, Drac? Ouais, t'inquiète. Je gère, mon intellect supérieur a roulé partout. C'est bon. Entrez dans le centre de commande. Provisoire terminée, pionnier. Il n'y a qu'une façon d'en être sûr. Bon, on en est sûr, on sait. On a fait les deux. Roule ta tête! Roule la tête! Biou. Traduction. Système de navigation activé. Bienvenue, administrateur. Ah ben, merci. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment. N'inspire rien de bon. Ne restons pas là. Je crois qu'en relançant le système, j'ai réactivé quelque chose à proximité. J'ai remarqué ça, mais je crois pas que ce soit bon signe. Pourquoi? Parce que ça fait des éclairs? Ouais, je vois. Oula. Ah non, on a activé des vaisseaux. Oh oh. Traduction. Vaisseau d'exploration en attente. C'était des explorateurs, du coup. Nous avons vu des vaisseaux reliquats, mais jamais en état de marche. Oh, pour les emprunter. Le système n'a pas accès aux commandes du système méridien. Le système méridien. Sam, tu sais ce que... Ah, ah, attends. C'est le prime machin, le Primus. On va avoir des ennuis. Ouais, on va avoir des problèmes. Je croyais qu'on devait aller dans la tour centrale pour finir le truc. Oubliez les cartes. Voilà des reliquats. Ouais. On n'a pas besoin. On a besoin de les battre. J'ai détecté une vague d'énergie. Oh non, on est obligé de les battre. Vous êtes allumé comme un sapin de Noël. C'est partout les reliquats, ils essaient de nous faire sauter. Bon bah vite. Est-ce que vous... Allez, vite, sur la tourelle, les gars. Voilà. Et d'une. Merde, faut que je me décale, Attends. Eh, pourquoi? Ah! Fuck. J'ai complètement loupé quand j'ai voulu l'attraper. Viens là. Toi, je t'ai pas loupé par contre. Et boum! Sur la tourelle. Allez. Voilà, c'est beau ça. Tout sur le destructeur. Oh merde, y'a un annuleur aussi. Oh. Annuleur, il y a là mon petit. Tiens, prends-toi ton tir. What? The fuck? Oh, Drac est mort. Alerte. Ça va pas bon. C'est pas bon. Eh vas-y, tire l'annuleur. Annuleur, vas-y, shoot. Allez, encore un coup. Allez, vas-y. Vas-y. Voilà, parfait. Ouais, mais Drac, je lui ai déjà dit de pas se coller au destructeur, il y va à chaque fois. Complètement con ce mec. Oh. C'est quoi qui me tire dessus? Ah, c'est toi. Tiens. Cadeau! Boing. Annuleur. Il peut pas me tirer dessus, l'annuleur. Voilà, c'est bon. Boum. Ah, il a plus que ça. Il a plus rien. Il est obligé de venir au corps à corps, le destructeur. Ok, je vais d'abord relever Drac. Drac, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de te baigner, merde. Il est pas censé s'ouvrir ou en une connerie dans le genre. Procédure de sécurité. Voilà. Easy. Ouais. Sûrement au tournant. Restez sur vos gardes. Allez, c'est parti, mon kiki. Dommage, je pouvais pas le passer. Ah, les salauds. Ce système de sécurité de malade des reliquats, quand même. L'accès au centre de commande devrait être ouvert, non? Très certainement. Au moins, ils étaient sûrs que... J'en ai vu des choses, mais ça, jamais. Au moins, ils étaient sûrs que c'était pas n'importe qui allait toucher à leur petit jouet, hein. On n'a plus que le Primus à buter. Et l'Archon, très certainement, j'espère. Coucou le Colosse. On a fait tout le boulot.
Pas question qu'ils en retirent les bénéfices. Oh ouais, c'est dégueulasse. Oh merde. Attention. Destructeur. Vous aviez oublié les reliquats, pas vrai? Enfoiré. J'ai l'impression qu'ils sont déjà passés en fait, hein. Wow, 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 wow. Ils veulent pas se battre entre eux là. Le colosse, mais sérieux, le colosse il passe. Ah. Oh, j'ai pas besoin de les battre. J'ai pas besoin de les battre. J'ai pas besoin de les battre. Je fonce. Ah, je fonce. Non. Vous ne mourrez pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Tiens, boum, dans ta gueule. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ne mourrez pas. C'est parti. Ça ressemble à un puits de gravité. Se connecter au centre de commande. Je vais connecter mon corps. Brancher les circuits sur moi. M'insérer des tuyaux. Ok, let's go les filles. Mouing. Ouverture. Tuk 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 tuk. Oh là 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 là, le fléau. Bordel. Bon sang, regardez un peu ça. Je préfère ne rien toucher. Oh. Ah. Ryder est tombé comme un con. Il en est mort. Fin de la partie. L'humanité a été détruite. C'est quoi ça? L'épilogue qu'on n'attendait pas. Aussi impressionnant, ça doit être important. Ok, ouais, bah c'est une structure quoi, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Structure reliquate? Again? Je suis étonné que l'Arconte soit pas encore venu nous dire. Je vous ai dévancé. Oula, c'est quoi ce truc rouge? Je sais pas pourquoi. Traduction. Déconnexion. Système méridien manquant. Système méridien? What the fuck? Sam, y'a des dégâts ici? On peut rétablir les systèmes comme l'autre fois? Désolé, pionnier. Les systèmes sont intacts. Et ils sont à la recherche d'un composant qui ne semble pas exister. Comment ça qui ne semble pas exister? C'est un problème. Un instant, pionnier. J'ai trouvé quelque chose. On va avoir du mal à la remplacer. Traduction. Dernier registre administrateur. L'arme de l'opposition peut causer de sévères dégâts. Toutes nos armes, tous nos vaisseaux ne pourront pas nous protéger. Ni mon objectif. De l'opposition. Détachons Meridian du centre de contrôle qui restera ici pour attirer les attaques. Allez bien. Meridian contient l'œuvre entière des Jardan. C'est tout ce qui importe. Je vais l'envoyer loin. Nous y retournerons un jour pour reprendre le processus. Les Jardan, c'est une planète du coup. Le centre de contrôle. Il faut qu'on amène. Il faut qu'on amène ça sur une planète du coup. Ça sert comme une clé. Ok. L'Arconte avait tort. C'est pas Meridian. Oui. Meridian est déjà loin. Ça c'est que la clé pour Meridian. Plus qu'à la retrouver. Ah mais il faut qu'on embarque ça quand même. Oh, oh. Ils essaient de démolir la tour. Bah évidemment. S'ils peuvent pas la voir. Mais je croyais qu'ils allaient se faire exécuter si jamais. Si jamais détruisaient. C'est bien ma chance. On met les voiles. Ok, préparez-vous, on se tire. Sam, trouve-moi une autre sortie. Loin des cartes. Il n'y a aucune sortie, pionnier. Cela dit, la cité relique a ses propres défenses et nous sommes dans son centre de contrôle. Mais oui, c'est ça. On n'a qu'à utiliser les défenses des reliquats contre les cartes. Mais oui, c'est pas comme si on pouvait le faire depuis un moment avec les tourelles notamment. Allons-y, allez, vas-y. Ok, roulage de tête. Stop, maintenant. C'est parti. Eh ben voilà, enfin un peu d'intelligence. Oh oh. J'ai cru qu'ils allaient pas tirer les tourelles. Les tuelles. Oh, on va bien avoir un petit boss quand même. Une vraie bataille spatiale. Non, détruisez pas les fées. J'en ai besoin encore. Le mec. Magnifique. Je sais pas. Enfin, ouais. Le vaisseau pour moi, ça faisait bizarre. On aurait dit des testicules sur l'avant. Bon, bah c'est fait. Cool. Travail terminé. Oula. L'Arconte veut celui-là. Tuez les autres. Ah, lui, c'est l'épée de l'Arconte. Ok. Faites attention. C'est une de ceux qui peuvent se camoufler. Je sens toujours la puanteur de cette carte. De cette carte.
Allez, tous dessus, sur l'épée. Elle pue la merde. J'espère qu'elle peut pas se régénérer. Sinon, ça va être vraiment la merde. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais t'es venu me voir directement, c'est mignon. C'est gentil. Attends, attends, attends. Merde, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Ah. Aïe, 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 je vais crever. Aïe, 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 aïe. Vite. Dégage. Ouh, c'est pas passé loin. Oulala, oulala, oulala. Attends, 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 attends. Arrêtez de m'agresser là. Agrêtez, arrêtez. Oulala, faut que je me dépasse. Faut que je bouge. Là, je joue très très mal, j'ai failli crever. Oh, coucou. Tout le monde dessus. Je m'occupe des autres. Allez-y, sacrifiez-vous pour moi. Je suis votre dieu après tout. Mort. Coucou. J'ai besoin de vous, les mecs. Je vous emprunte, hein. Attends, 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 attends. Elle est où? Elle est où? Petite épée. Boum. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Vas-y. Vas-y, fais-moi mal. Oh, oh, merde, 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 merde. Dans mon cul, dans mon cul, dans mon cul. What the fuck? Eh, mais c'est pas qu'elle se met invisible, c'est qu'elle disparaît carrément. Elle est où? Boum. Merde, 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 c'est Vetra. D'abord les cartes, ensuite Méridiane. Ouais, 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 une chose à la fois, les gars. Elle est où? Tu crois que je te vois pas, toi? T'es tellement pas discret. What? Mais elle a rechargé son bouclier de merde. Mais vas-y, mais va te faire, papa, où t'es? Vas-y, tire. What? Ah, bordel de... T'es à couvert, à couvert, à couvert, à couvert. Ouh. Mais qu'est-ce que t'as à me tirer dessus, bordel? Il y en a deux autres. Allez, tout sur elle, tout sur elle. Mais non! Oh, c'est relou ça! Tous sur elle! Allez, tous sur elle! Allez, vas-y, tire-moi dessus! Tire-moi dessus! Tire-moi dessus, vas-y! Oh là 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 là, mais que c'est chiant! Vas-y, tire! Vas-y, tire! Elle va encore disparaître de toute façon, on va lui mettre deux points de dégâts! Oh 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 oh! Pourquoi il est fufu lui aussi là? Oh, t'as rêvé hein! Allez, boum! Oh, 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 oh. Je me tire. Tiens, dans ton cul. Ah, forcément, ça te plaît pas. Mais pas grave. Voilà, ça c'est fait. Plus que la chef. Allez, crève, 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 réparé. On te voit tous. Oh, attention, pousse-toi, Drac. Ah, oh, mais... Oh. Eh, bé. C'était pas dur, c'était chiant. Ouais, ouais. Easy. Oui, tout le monde est là. On a tout vu depuis notre orbite. C'était incroyable. La cité entière s'est allumée. Ça a affolé les capteurs. Mm-hmm. Ok. En plus, les cartes battent en retraite. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a marché. Bah, j'ai juste pété le cul, quoi. Il avait bien mérité, ouais, tant mieux. Il se replie complètement? Ça fait plaisir à entendre. Et avec Méridiane, vous avez avancé? Vous avez réussi à la mettre en marche? Oui. C'est pas Méridiane, pas entièrement du moins. C'est la clé. C'est difficile à expliquer, on vous fera le topo plus tard. Allez, let's go. Mais on est censé l'embarquer normalement. Quelque part, mais ce truc devrait pouvoir nous indiquer ses coordonnées, non? Au contact du fléau, la trajectoire initiale de Méridiane a dû être modifiée. Il faudrait des années pour déterminer ses coordonnées actuelles. Il y a forcément un indice, merde. On est entouré de technologies reliquates. On est dans Mass Effect. Jardin avait forcément un plan. Il y a la magie de la découverte. À mon avis, ils ont pas vraiment eu le temps pour ça. Si c'est le fléau qui dérègle tout, faut peut-être chercher de ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez en tête, gars? Tu veux qu'on rentre dans le fléau? Qu'on s'insère? Ah non, ou alors peut-être remonter à la source du fléau? À vous de me le dire. En fait, j'espérais que l'un de vous enchaînerait avec une idée. Vous avez entendu, Calo. Les cartes s'enfuient, face à nous. Ça veut surtout dire qu'il faut qu'on avance tant qu'ils sont affaiblis. On doit trouver Méridiane, la vraie. Sam, récupère toutes les données que tu pourras. Appelle le Tempête qu'il vienne nous récupérer.
Un sacré boulot nous attend. Et il va falloir qu'on s'y mette tous. Surtout les autres. Activation, j'ai eu comme succès. Yeah. Il est peut-être dans le trou noir, j'avais peut-être raison. J'ai dû passer de niveau, c'était bizarre le petit son là. Me voilà seul. Face. Pionnier. À mon désarroi. Vous allez bien ? Oh tiens ! Venez-en au fait. Nous savons tous les deux ce que vous allez dire. Peut-être. Peut-être pas. Vous avez désobéi aux ordres de l'initiative en vous lançant à la poursuite de Meridian sans Je permission. T'emmerde. Nos raisons étaient pourtant très claires. Mais... vous aviez raison, Ryder. Nous aurions dû vous écouter. J'ai toujours vous raison. Vous avez prouvé à maintes reprises que vous méritez amplement le titre de pionnier. Je n'ai jamais été si content d'avoir tort. Merci, j'imagine. Merci pour vos encouragements et votre honnêteté. Je crois savoir que la route vers Meridian est encore longue. L'initiative se tient prête à fournir toute l'aide dont vous aurez besoin. Eh ben dis donc. Il était temps, hein. Pionnier, si vous avez terminé avec le Nexus, j'aimerais vous parler. Je crois savoir comment trouver Meridian. Waouh, c'est vrai. Mais malheureusement... je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on verra ça la prochaine fois. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et me laisser un petit commentaire. Ciao !